Oh mon Dieu! Une vidéo. O'Neill. T'as démarré une vidéo ou pas? Ouais, je crois. Ouais, c'est bon. Alors Ça a petit loulou longtemps qu'on quand se même. trouve pour une nouvelle vidéo et je viens de découvrir une note d'explorateur, c'est ça? C'est ça, il y en a plein sur la carte, ça va être gagné pas Mais mal de elle est pas level. traduite, donc je sais pas Là, vraiment ce t'es qu'il y a niveau écrit. 11, aucun inventaire et tu verras bien, tu seras plus du tout niveau 11. Tu as dû gagner des tonnes de level. Ah, je vois niveau 11, mais faut que je clique sur les boutons peut-être. En fait, ça dépend. Tu vas voir, voilà, t'es niveau 13, 16, 17. En fait, c'est quand tu améliores tes Oh. niveaux. Et là, du coup, tu dois pouvoir acheter, tu vas pouvoir prendre pas mal de trucs. Par exemple, tu peux prendre l'arc et les flèches déjà, par exemple. Flèche en pierre, arc. Et Apprendre tu peux aussi prendre l'engramme. les tranquillisants qui permettent d'endormir les animaux. Après, tu pourras faire des flèches tranquillisantes quand on dorme, en fait. Et c'est comme ça qu'on Ok. a eu les T-Rex, par exemple. Ah, narcotique, tu veux dire. Oh, j'ai débloqué plein de trucs. C'est intéressant, les tuyaux. Alors non, pas vraiment parce que on peut pas poser près des fondations Ok. ennemies. On peut pas vraiment. Ton T-Rex a gagné des niveaux Lily parce qu'il a D'accord, donc aussi je eu des fais F. Ça me saoule et en qu'il n'y ait pas la plus, touche échappe pour sortir, par contre. elle marche. Hein. Moi, elle marche. Hein. Bah, alors c'est que dans les options, elle n'est pas paramétrée par Je défaut. vais te dire WhatsApp. Si, si, elle est par défaut. Moi, je l'ai par défaut. Bah, D'ailleurs, l'autre alors jour, je quand l'ai j'avais fait viré en mettant échappe autre part, en tentant de échappe, je sortir. sais pas comment ça s'écrit échappe en anglais. Escape. Google. Bah, je peux te le dire sinon. Escape, oui. Je regarde où c'est. Oui, je regarde où c'est. Ah, mais c'est de base. Hein. Oui, mais moi je l'ai pas de C'est position de base. pas. C'est pas dans les touches. C'est. Tu fais échappe et ça sort. Bah, sauf que ça marche pas. Ouais, tu peux cliquer sur les croix aussi, mais Par normalement les exemple, quand je deux. fais échappe, il met le menu reprendre Oui. option se déconnecter. Et quand je fais Ah, échappe, merde. ça marche pas. Ah, Ouais, c'est ça parce marche que le pas. menu d'échappe, il est pas compatible. Oh, j'ai de la viande supérieure, c'est intéressant. C'est la meilleure viande du jeu, J'en ai presque la meilleure viande du 5. jeu. C'est super bien. T'en as 5? Alors suis-moi, je vais te montrer. Je les laisse sur mon T-Rex pour l'instant. Oui, parce que ton T-Rex les stocke un peu mieux que toi. Genre, D'accord. ça va prendre beaucoup parce que Qu'est-ce moi que tout ce que je fais, j'améliore sur le très peu enfin, T-Rex? Qu'est-ce que j'améliore sur le T-Rex? les dégâts, parce que t'as quand même déjà 2000 de vie et les petits Attaque, c'est ça? intéressants. C'est ça, pourcentage Ok. d'attaque. En fait, par exemple, tous les T-Rex du jeu font 100 dégâts et ils ont un pourcentage d'attaque qui vont faire plus ou moins. C'est Ok. pas du tout sans dégâts, hein, mais c'est à peu près ça. Donc là, t'as la base. Donc si tu À multiplies. nous? Après, on va faire l'oiseau, hein, parce que t'as pas d'oiseau, c'est à peu près C'est à des... qui un peu dur. ça? Du coup, hop, t'avances. Là, tu te mets à gauche, ok? À gauche. À gauche Ah, d'un faut que je ladder. range mon T-Rex, c'est ça? Ouais, je vais te montrer comment faire quand t'as de la viande supérieure. J'ai du mal à le ranger. On peut pas le laisser dans sa petite boîte sinon? Si, mais va falloir que tu donnes. Va falloir que tu. En fait, je vais t'expliquer. Hop. J'ai rangé ça. Dans mon oiseau, je vais avoir de l'essence Donc là, je suis et à le reste gauche. dans le coffre. Faut que je fasse Hop, quoi? voilà. Descends ton T-Rex. D'accord, en Fais E. faisant E, E. D'accord. Là, tu peux sauter, ça va, c'est pas trop haut. Tu peux essayer de descendre par la queue sinon, mais. Descendre T'es par obligé la de queue. passer par Ok. la queue. Voilà. Donc là, tu te mets près de la patte de ton T-Rex, tu fais F. Tu Je prends la fais nourriture F. et tu la places là-dedans. Là, le gros machin en métal. Je prends la nourriture. La nourriture, toutes les nourritures. Tout? Tu peux tout prendre sinon. Tu fais les deux flèches, transférer tout. Bon Hop, bah je tu prends tout. transfère tout. Voilà. Maintenant, tu prends toute cette super bonne bouffe et toutes les bouffes. Et Ouais, et tu je la fais mets. T. Tu ouvres l'inventaire. Et tu fais T au-dessus de la bouffe. Je fais Et T. tu le mets là-dedans. Ouais, voilà. T'as Ah, intérêt à ça a mettre la viande marché là. supérieure d'abord parce que c'est celle qui va périmer dans pas longtemps. Moi, je viens de mettre un essence que tu peux trouver dans nos coffres. Il y en a à peu près partout. Et après, t'allumes le truc. Donc, ça consomme l'essence. Tu mets toujours une seule essence. Et ça va cuire la viande très très rapidement. Ok. En fait, voilà, ça t'a fait 5 viandes supérieures et 12 viandes. Donc tu On prends les dirait viandes du supérieures, tu kebab. viens de le faire. Regarde, tu prends les viandes supérieures et là tu vas là-dedans, D'accord. Lily. Où est-ce À que je gauche, peux. côté. Erreur, attends, attends. J'ai de la peau en Alors, trop. Je la mets où? c'est important, regarde, viens, viens, deux Bon. secondes. Et après la viande supérieure, après l'avoir fait cuire, tu la mets là-dedans. Et Dans le là-dedans, tu vas frigo. retrouver 30 et 47 viandes supérieures. Et ça Le permet de tamer des poisson. animaux avec. C'est de la meilleure viande que la viande normale. Et ça va Ok. tenir très longtemps. Voilà. Donc je range mon Ok. T-Rex. Maintenant, tu peux ranger ton T-Rex. Ça va faire ça, tu bouges pas, ça va te le donner. Quand tu le ressortiras, il aura déjà sa selle. Voir. Et s'il avait des trucs, ça aurait laissé un petit sac un peu comme ça au Ouais, sol, comme comme le Lily en tien. fait. Après, pour descendre, il y a un sarco devant, mais. T'as laissé de la viande traîner par terre, c'est pas Bah, grave? voilà, on s'en fiche, on s'en fiche. D'accord, pour descendre. Il y Ah, a c'est une censé être petite là, trappe. d'accord. C'est Tu juste fais haut que sur la trappe. Castor a la Et peau tu un descends. peu longue. La Oui, queue un peu Caspar longue. a fait sa technique.
Y a un C'est pas machin ta qui te sœur, en fait. reçoit en te donnant des coups de. Oh, j'ai eu peur pour ta crotte, hein. C'est un machin pour la pierre, ça. D'accord. Donc ici, par exemple, je peux mettre de la Pour fourrure. les outils. Si t'as des balles en Ici, plus, je des peux mettre choses de la comme ça. fourrure? Ouais, y en a. Non, tu mets pas. Non, celui-là pas. Va sur dessus droite. Dans celui de gauche, tu mets tout le reste. D'accord. Absolument tout. Pour l'instant, il n'y a J'ai pas un plus feu grand chose que d'artifice. ça coûte cher. Un feu d'artifice, Une c'est selle élégante. décoration, Cyprien. Si ça n'a D'accord. absolument aucun poids, c'est une décoration. D'accord, donc je peux le garder mais sur Et mes lui, étapes. tu vas pouvoir Ouais. choisir un petit chibi qui va te suivre partout, un peu comme mon petit ours et l'araignée de Castor. Là, tu as Ton petit trois armoires ours, avec des ok. chibis. Quel chibi tu voudrais? Est-ce que tu connais des animaux d'or qui t'intéresseraient? Est-ce que je connais des animaux dans l'arc? Il y a des Non. pandas roux? Non, mais il y a peut-être des. Je suis de regarder là. Alors, Je vais garder une tu lance en connais bois les pour taper les gens. parasaures. Sinon, je peux te passer un ours un peu comme le mien, la petite boule de poil que j'ai sous moi. On dirait trop une crotte, je trouve. T'es provocant, je trouve. Je Tu veux suis un petit désolé, T-Rex? mais. Un petit T-Rex. Mais je suis obligé d'en prendre un? Non, mais je trouve ça pas mal. Ok. C'est marrant, ça Tu fait sors bien? bugger quand tu te mets au niveau de la queue. Ouais, parce que la queue te pousse un petit peu. Ouais, du coup, tu glitches un peu dans le plafond. Le truc, c'est que là, ça, c'est un dodédiculus, ça farme la pierre. Bah, du coup, il est un peu plein en pierre. Mais du Il est coup, il plein est. en pierre? Oups, je voulais Bah, voir son fais F. inventaire, mais. Tu fais F devant lui et ça va t'ouvrir son Ah inventaire. oui. Il y a un peu de pierre sur lui, quoi. En soi, c'est beaucoup de pierre, tout ça. Hein. C'est pas un petit peu. Ok, d'accord. Du coup, t'as intérêt à te. Je sais pas ce que t'as intérêt à faire pour level up, en fait. Réfléchis. Bah, utiliser ce machin. Ce machin. Faut que tu te fasses un Pfouf. chili. Tu as pété tes What? lances. Mais j'ai Elle juste casse donné tes un lances. coup. Oui, mais moi j'ai une résistance assez forte. Alors, ce qui va t'intéresser, Lily, ça va être de te faire un lit déjà. Sinon, tu ne pourras pas réapparaître à la base. C'est un peu comme dans Ok. Minecraft. Donc là, si tu vas dans schéma, Je peux pas toi, squatter le tu lit ne de verras quelqu'un pas. d'autre? Non, il faut qu'on en ait un chacun au moins. Il me faut 40 Bon. peaux, 30 fibres, 80 branchages et 40 bois. J'ai besoin de ça. Je veux Lit niveau du pote ordinaire. à ressources. C'est ça? Ouais, c'est ça. Si tu l'as débloqué, logiquement. Bah du coup tu peux C'est récupérer bon. là-dedans, dans le gros coffre de gauche. Mais on peut encore pas faire échappe. Donc faut que je récupère les trucs pour le lit. Y a moyen de d'avoir juste ce qu'il faut pour le lit ou? Non, faut que tu récupères. En fait tu l'ouvres, tu fais E pour l'ouvrir. Quoi? Qu'est-ce Quand que tu j'ouvre? ouvres le coffre, à Ouais. gauche t'as ton inventaire, à droite t'as le coffre. Oui. Donc à gauche tu peux, à la place d'avoir inventaire, tu mets schéma. Là tu mets Oui. ton curseur au-dessus du lit, tu vois ce qui te manque, Qui tu est prends à droite, là? tu déplaces. Si c'est en rouge, c'est que tu l'as À pas. Si fibre c'est et en vert, peau. c'est que t'as. Donc 15 et 25. 15 bois, 80 branchages, 30 fibres et 40 peaux. S'il manque quelque chose, on peut aller le chercher. C'est bon. Et après, je reviens dans l'inventaire et hop, je crafte un lit. Non? Ouais, c'est Après, je ça. vais Tu peux. dans. Dans le truc Comment je inventaire, crafte t'appuies sur un. schéma. Ouais. Et tu Ah, et fais là, je peux faire double-clic un sur le sac. lit. Ok, je peux en faire plusieurs. Double clic, c'est pour en faire un. Mince, je voulais A, c'est faire un pour en lit. faire le maximum. Tu peux en faire plusieurs, mais Ah, ça il te est sert à là. rien. Bois et branchage. Branchage et bois. Je Et viens tu de peux prendre du avoir une tête bois. de T-Rex sur la tête si tu veux. Il y a des skins de tête de T-Rex. Je peux me faire un Ou la arc faire aussi. sinon tout de suite. Bien sûr que tu peux te faire un arc. Je pense que c'est mieux de faire une arbalète directement. Mais j'ai C'est pas plus efficient. d'arbalète. Ah bon? Bah viens au niveau de l'établi à l'endroit où je suis. Ça, tu découvres un peu. Qu'est-ce que L'établi je voulais là où te faire t'es. déjà? À l'endroit où je suis, ça c'est l'atelier. Ça permet de créer tout ce qui est en métal. Donc moi je le vois, mais toi tu le vois rien du tout. Toi tu vois juste les ressources, moi je vois tout ce que je peux crafter. Et du coup moi je double-clique sur l'arbalète et ça te la crée là. Et tu la Oh. trouveras dans l'inventaire en bas et ça prend les trucs qui sont dans le truc, dans l'établi. Ok. Du coup ça va te faire apparaître. Logiquement, tu as débloqué les flèches. C'est les mêmes flèches pour l'arc que pour l'arbalète. Donc tu peux prendre l'arbalète et la mettre dans la barre du bas, du coup. C'est Ok. les mêmes flèches que pour l'arbalète, que l'arc. Tu prends l'arbalète dans les mains, ça recharge. Après, tu peux viser en faisant clic droit. L'arbalète, elle tire plutôt droit par rapport à l'arc. C'est un peu comme dans Minecraft, juste que t'as pas de flèches. T'as intérêt à te faire des flèches. Pour les flèches, il te faut du bois, Et des du fibres silex. et du silex. Alors, le Branchage, bois et les fibre, fibres, silex. c'est très simple à avoir. On a des animaux pour le faire, mais du coup, tu vas en trouver plein dans ce coffre-là. Les silex, il va pas y en avoir. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Enfin, il y en a un tout petit peu, mais ça va pas te suffire. 35 flèches, c'est pas beaucoup. Donc, tu prends ta Alors, attends, pioche. qu'est-ce qu'il me faut exactement pour les flèches? Il faut branchage et fibre plus silex. Donc, je garde
Les branchages et les fibres, et le reste, je pose. Faut que je pose mon lit, non? Oui, je vais te montrer où tu vas le poser. Et après, quand tu respawneras, tu auras un petit icône de lit. On va le poser là-bas. Hop. Tu peux le mettre juste Pourquoi il là. me met la Pokéball dans la main alors que j'ai sélectionné le lit? Parce que tu peux poser le lit en même temps. En fait, le lit, c'est un truc que tu vas poser en construction. Et du coup, ça va pas être compté comme un objet que tu peux utiliser. D'accord. Par contre, j'arrive pas à le mettre dans le coin parce qu'il y a un gros machin qui bloque devant. Ce machin-là coince. Mets-le sur le côté comme ça, là. Là, à ce niveau-là. Attends, quoi? Tu peux le mettre à peu près n'importe où, mais mets-le si possible pas trop loin de nos lits, quoi. D'accord, pas trop loin de Voli, je vais essayer de trouver un endroit qui correspond. Tu peux te tourner sur le côté, sinon, hein, pour poser Et le lit différemment. hop. Non. Il est trop loin. Non, mais non, mais non, mais pas comme ça sur nos lits, en fait. Tu peux Pourquoi récupérer les Castor paupières, il quoi. glisse dans le sol? Lily, parce qu'il s'est endormi. Lily, tu peux récupérer ton lit et le reposer bien, s'il te plaît. Tu peux récupérer les trucs que tu construis. Au bout de 30 secondes, tu peux plus, mais ça te laisse un choix de reconstruction. Assez large. Je le mets comme ça alors? Mais ah Je vois donc pas en ce que fait tu je peux faire fais. ça, oups, Et le et après tourner. tourner. Ok. C'est valable pour pas mal de trucs. Voilà, t'as un nouveau lit. T'as même pas besoin de dormir dedans. C'est bon, maintenant quand tu respawneras, tu pourras apparaître à ce lit-là. Et tu réapparaîtras directement sur le lit. Tu réapparaîtras sans rien, bien sûr, mais sur le lit quand même. Ok. Du coup, on va continuer la visite. Bon, je me permets de Et ramasser les crottes qui traînent dans la maison lit, parce que. sort, mais à part ça, y a rien. On va partir par la porte déjà. Hop. Il me faut des silex. C'est ça, on va aller fermer les silex pour C'est pouvoir d'accord, trouver c'est la bien lumière. ça. Donc, vu que c'est un peu loin, on va y aller en aigle. En aigle? Ok. On peut pas juste casser les cailloux par terre? Tu peux Non, monter pas sur les ton cailloux par aigle terre. ou faut que tu me ramasses? Non, je suis obligé de t'attraper. Je peux pas. Tu peux pas. Avance un petit peu parce que sinon je vais prendre le castor. Tu vas Enfin, prendre non, je Castor vais à ma tuer. place, ce serait malin. C'est bon, ça t'a pris toi. Hop, vas-y. Je suis tombé. Oui, ça t'a reposé parce que t'étais trop proche du sol. Enfin, ça Ouais, va, je vais me t'étais mettre trop là proche du alors. sol. Ça t'aide comme ça? Hop, voilà. Donc, les cailloux, tu peux descendre vers la plage. Si tu regardes ta carte, là, tu nous vois descendre vers la plage. La base, t'as intérêt, tu pourras y mettre un point si tu veux. Je te donnerai les coordonnées de la base exacte. Donc ici là t'as un radeau qui est à nous en soi. Là le truc devant nous c'est un radeau qui est à nous. Donc il y a des trucs à nous dessus. En soi il Je marche à vois pas nous et il n'y a grand-chose pas parce grand que je chose suis dans la dedans. patte de ton aigle, donc c'est pas super. Fais molette de souris vers le bas pour voir en troisième personne. Molette de souris vers le bas. Ça marche pas, hein. La Ok, molette bah de paramètres souris. tes touches, ça modifie ça. Option. Dans les touches. Ah là là. En bas à gauche. De Zoomer, quoi? dézoomer. En bas à gauche? Mouse scroll up, mouse scroll down. Donc toi t'as mis up et down. On va prendre. Wouhou! Voilà, donc tu vois à peu près là, le bateau qui est juste en dessous de nous, c'est à nous. Niveau pierre, il n'y en a pas beaucoup par ici, c'est surtout par là-bas que tu vas en retrouver. Il n'y en a pas énormément. Alors pour récupérer de la pierre, on utilise le Dédoduculus parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Voilà, Je vais si t'as oublier des les pierres, noms, hein, mais. c'est pas grave. C'est un truc pour la pierre. Voilà, je t'ai exposé. Hop. Ok, Maintenant donc tu là prends je ta peux pioche. prendre ma Ta pioche et pioche. faire. Et tu fais clic gauche. Et tu peux rester appuyé pour clic gauche pour casser peu à peu. Oh, ça rapporte ma silex, c'est génial. On est en x4 donc ça en rapporte plein. Maintenant tu peux faire I pour commencer à crafter des torches, des flèches et en même temps continuer à récupérer du silex. D'accord, Tu mais je mets fais ton pas des torches à curseur la fois. au-dessus des flèches. Et tu fais A. Je Ça fais va te A. crafter. Ça va te Le crafter maximum, le d'accord. maximum. Non, c'est pas tout à fait le maximum. Ça va te crafter. Si tu peux pas crafter, ça va t'en crafter 100 maximum. Oh, je meurs de faim, comment je fais? J'ai passé de la bouffe. Et je crois que ça lag là. Hein. Mais je vais chercher de la bouffe. Ah, je gagne plus rien en cassant des pierres, on dirait que ça lag. Je sais, ça lag un petit peu. J'ai l'impression qu'il va me donner un coup de pioche à chaque fois qu'il retire la pioche vers l'arrière. Elles sont incroyables ces pierres, hein. Mais tu lags. Ah bon? Pourtant, je Hein. t'entends bien. Non mais c'est le serveur qui lag. Ah. Cette crise lui lag un petit peu de ça là et c'est pas très pratique. Un petit peu. Ça, c'est une Ça façon de allait, hein. voir. En vrai ça va parce que ça lag pas, hein. Ça c'est juste des petits coups de lag à des moments et c'est pas tout le temps tu lags, tu te téléportes, etc. Mais j'avoue que c'est un peu relou. Je sais pas pourquoi ça lag à ce point-là. Mais quand ça lag longtemps. Sévère. Là là. D'ailleurs,
c'est bon. Ça commence à délaguer. Je peux plus taper. Hop, c'est bon. What? Ah, ça bug. Ok. Je peux avoir de quoi manger. Ouais, je peux te passer un peu de ma nourriture. J'en ai pas beaucoup si j'en ai pas mal. J'aurais dû prendre la nourriture. Tu vois dans le frigo où mon ami il a super bonne bouffe. Ouais. Bah, y a plein de bonnes bouffes que tu pourras prendre cette bouffe là. C'est de la bouffe de. C'est juste de la viande cuite. Hein. J'ai rien de très spécial, mais. Y'a un raptor derrière toi, Lily. Ouais. Y'a un raptor qui te fonce dessus, Lily. Attends, je mange. Et après, je lui dis bonjour. T'inquiète pas, mais m'a déjà dit bonjour à moi. Bonjour, papy. S'appelle papy Raptor. Il est level 10. Donc... Oh, je l'ai massacré. T'as vu ça? J'arrive et paf, un petit coup de hache et il est mort. Ça t'intéresserait d'avoir un aigle, Lily, parce que toi pour l'instant t'as pas d'aigle. Ouais, j'ai pas d'aigle. Tu veux faire un aigle? Il faut des flèches d'abord, non? Alors oui, oui, tu veux des flèches. Je vais chercher des pots de narco si j'ai... Ouais, on va aller chercher des pots de narco après. Sinon, Lily, fais... Fais quoi? La touche P. P? C'est censé faire quoi? Ça t'a ouvert une interface? Et tu non, ça a rien fait du tout. Bon, tu modifies pas mal de touches quand même. Hein. Tu pourras. Non, j'ai rien modifié du tout. Hein. Faut qu'ils arrêtent de rêver, les gens. Y'a un raptor. Y'a un raptor? J'ai mon arbalète. Je suis avec l'aigle. L'aigle il a presque 2000 de vie donc il fait rien du tout. Hein. Mais fais gaffe parce que le raptor il peut. Oh, tu l'as tué quand même. Bruh, raptor, encore une fois. Il peut t'attraper en te plaquant au sol. Ouais. Et te tabasser de coups et du coup tu prends beaucoup de dégâts. Ok. Tu peux pas faire grand chose. Y'a un dino agressif là-bas. Il est pas du tout agressif depuis que tu l'as tapé dessus, il est agressif, oui. T'as vu? Bah si, il est agressif. Qu'est-ce que tu me chantes? Là, Lily, tu peux sortir ta Pokéball de T-Rex et le taper avec le T-Rex. Je l'ai pas posé ma truc T-Rex. À ta place, je la poserai presque jamais. Tu l'as pas sur toi? Si, je dois l'avoir sur moi. Parce que toi tu fais à peu près aucun dégât par rapport à ton T-Rex. Hein. Face the Fury. Tu cliques gauche? Ouais. C'est pas très intuitif taper de façon classique clic gauche. Clic droit. C'est clic gauche hein. Non c'est clic droit. On va refaire toutes tes touches, je pense. Ok. T-échappe. Option. Tirer, c'est clic gauche. Action secondaire, c'est clic droit. Attends, tirer, c'est clic gauche. Action secondaire, c'est clic droit. Ah bah, c'est ce que j'avais par défaut, mais j'ai changé pour... Activer le sprint, c'est pour laisser activer courir. Courir, etc. Ah bah, je te laisse faire, hein. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Ok, on va se faire des argentavis. C'est-à-dire, enfin, on va te faire un oiseau. On peut... Donc là, quand t'as fini, vu que le T-Rex c'est quand même très lent. Oh, je crois que j'ai activé un enregistrement. La Pokéball, tu fais clic gauche, ça reprend ton T-Rex dans la Pokéball. Et je vais t'amener en oiseau jusque là-bas parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. Alors attends, comment je sors déjà? E. Tu fais E, tu descends sur le côté. Sur la queue, sur le côté. Ce que tu veux, c'est juste par rapport à la hauteur. Fais gaffe à pas mourir de chute. J'ai pas pris de dégâts, comme un pro. Je vais t'attraper avec mon aigle pour qu'on puisse y aller, ok? Parce que pour l'instant, vu que t'as pas d'aigle, c'est un peu compliqué. Hop, voilà. Alors, je vais te montrer, regarde, sur ta carte, tu vas voir les espaces qui vont se développer peu à peu. Enfin, tu vas voir la carte de plus en plus, logiquement. Je vois rien sur la carte. Ah, parce qu'il faut que je mette en première personne. Parce qu'il faut que tu. Il faut que tu non, mais je vois rien sur la carte parce que j'étais pas en première personne. Et en plus, faut que tu découvres peu à peu sur ta carte. En effet. Et du coup, on va aller au niveau de la montagne à peu près la plus proche. Surtout qu'elle a un énorme avantage. Attends, je vérifie que j'ai du ouais. Tu là-bas, cette montagne-là, tu viens toujours avec un métal. Mais vu qu'il y a une fonderie automatique que les gens proposent gratuitement, tu fais chauffer ton métal là-bas et tu reviens avec le métal tout cuit. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va récupérer le métal, le mettre dans l'aigle, le faire chauffer. Et pendant que le métal chauffe, on va te faire un aigle. Ok. Et avec les T-Rex, on va farmer de la nourriture pour que ton aigle se fasse très vite. Ok. La prime, là, la super viande. Oups. Viande supérieure plus précisément en français. D'accord. Et là juste en dessous de nous avec les arbres un peu spéciaux, c'est le marais, c'est très dangereux et en même temps il y a plein d'animaux intéressants. Ok, on va bombarder le marais. Ça sert absolument à rien. D'accord. Mais ça t'amuse.
Et dans l'aigle, tu peux créer. Quand t'as une selle dans l'aigle, tu peux créer comme dans un établi. Mais tu peux pas Ah se oui. réparer dans l'aigle. Ok. Je suis en train de faire des pièges pour compenser les pertes qu'on a eues. Et pour un aigle, il faut à peu près 1000 de vie et 1000 de poids. On va devoir s'arrêter dans pas longtemps. Là, ce qui est au sol et les espèces d'asticots, c'est des serpents. Ça t'endort très rapidement et ça fait très mal en soi, du coup. Ok, donc je m'en Donc fais méfie. gaffe. Ça, on va aller Ouais. les tuer avec le Rex, mais t'inquiète pas, on peut s'atterrir un peu après. Ça me On va plaît. atterrir là, il n'y a rien pour l'instant. Il y a un oiseau terreur. J'ai rien dit. On va continuer plus loin. Ok. L'oiseau terreur, c'est un espèce de petit oiseau. En fait, je vais te passer une jumelle après qui te permet de voir à distance le nom des animaux et leur niveau. Pour m'en méfier ou pas. Tu m'as lâché. Je sais. D'accord. Y a un bestiau, non? Oui, mais je vais l'écarter. T'as plus de suite, t'as plus de suite. Qu'est-ce que je fais? Je te fais du soutien à distance. Si t'as plus de vie, tu m'abandonnes, hein. Que le meilleur d'entre nous s'en sorte. Alors, mon Argentavis a presque pas de vie. A presque rien perdu. Ah bon? Il est que au level 90 et l'Argentavis a beaucoup de vie. Enfin, le mien en tout cas a beaucoup de vie. Ouais, puis je soutiens beaucoup avec toutes mes flèches là. Dans la Non, mais c'est tête. vrai, tu soutiens vraiment. Les tirs à la tête font plus mal. D'accord, j'essaye, mais T'arrives c'est pas un à peu tirer à la galère. tête, mais vaut tirer hors dehors de la tête. Ouais, Et la tête et il fait bouge mal. beaucoup. GG. Bah, du coup, j'ai pas régénéré mon énergie. Tu peux regarder sur lui, il peut avoir des recettes par exemple. Lance en bois, griffe de Tilacoléo La griffe de et Tilacoléo, c'est pioche en un petit truc pierre. qui. Tu peux prendre la lance, parce que les lances, tu peux les lancer sur les ennemis. Mais à part ça, c'est pas très intéressant et c'est surtout très lourd. C'est très lourd. Mets-toi devant moi pour que je puisse te récupérer. Là, tu fais clic droit et tu lances. Tu lâches et ça lance. On va faire un Sinon, tu changes essai. de. Hop, tu laisses. Voilà, et ça lance la lance. C'est pas si puissant Ok. que ça. Là, on est à peu près à la montagne. De toute façon, tu vas voir le trajet sur la carte. La montagne, ça fait des espèces de ronds sur les cartes. On va aller là-bas parce qu'il y a une grosse fonderie et du coup, on pourra ramener deux fois plus de métal. Et surtout, quand ça chauffe, on s'occupe de faire ton Y aigle. a un Parce dino qu'on a bleu. déjà une cage là-bas. T'as dit quoi? Il y a un dino bleu. Ça, c'est des dinos à des gens. D'accord, c'est pour ça C'est qu'ils des sont dinosaures à des colorés. gens. Pas ou pas, hein, mais là, il y a encore une base à quelqu'un. Les gens s'installent un peu partout, hein, ils ont tout intérêt. C'est un bon spot à cet endroit-là parce que t'es près d'une montagne et c'est plutôt Oh. pratique les montagnes. Elle est chelou la base. Je crois que c'est parce qu'elle n'est pas complètement chargée pour moi. Non, elle est pas complètement chargée, elle est vraiment chelou. Elle est D'accord. aussi pas chargée entièrement, je pense, pour toi après. Faut que j'évite Faut pas de trop tirer créer sur les la. animaux qui se promènent en bas, non? Ouais. De toute Ok. Même s'ils y façon, tu sont vas tout juste faire petits? faire un. Si les animaux, tu t'en fiches, ils vont pas te taper, ils vont fuir. T'as deux animaux, ils vont te sauter dessus et te tuer. Faut que C'est plus j'apprenne ou à moins reconnaître simple. lesquels en fait. Ouais, voilà, en gros. Elle est par là, la fonderie, normalement. J'ai 300 de poids. GG. Alors maintenant, t'as 300 de poids. Moi, à ta place, je prendrais autre chose. Par exemple, La moi, quand j'avais vitesse. 300 de poids, j'ai mis de la vitesse. Tu fais ce que tu veux. Je te laisse le choix. Ok. Je trouve que la vitesse, c'est très bon. Tu peux faire la technique castor à mettre plein de vie. Ce qui est sûr, c'est que augmenter ta nourriture et ta soif, c'est vraiment pourri. Parce que Ok. ça t'augmente ta quantité de stockage de nourriture. Et du coup, ça t'aide pas vraiment. Ouais. Faut juste qu'on fasse le tour parce qu'elle est pas exactement par là, la fonderie. Je sais plus exactement où elle est. Ok, bah je te suis, hein. Ah, bah, il y a la cage Pas un peu comme plus si bas j'avais le là. La choix. cage, elle va être à gauche. Ouais, bon, on est à l'opposé, je crois. Hein, mais c'est pas si grave. Bah L'aigle, comme mon ça aigle a j'aurais beaucoup exploré la map. d'énergie. Le terrain n'en aura pas beaucoup au début. Mais à la fin, il en aura un peu plus. Il faut faire surtout gaffe à ton énergie. Là, j'ai plus d'énergie, je suis obligé de m'arrêter. Hop, je te pose juste avant pour pas que tu bugs. Sinon, tu pourrais bugger dans le sol et réapparaître en ton dernier spawn et ce serait un peu relou. C'est le genre de Ça nous truc est déjà auquel il arrivé faut avec se ma méfier carte. sur Arc, c'est ça? Ça nous est déjà arrivé, je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais. J'ai pas envie que ça Oh, réarrive, y a un c'est un peu relou. écureuil! Un écureuil. Ouais! Regarde sur l'arbre là-bas. Ah, c'est un Tilacoléo. On dirait un C'est moi, j'ai écureuil. envie de l'attaquer. Oui, parce qu'il peut s'accrocher aux arbres. Il peut sauter sur les murs en fait, cet animal. L'aigle, il est plutôt bon en soi, il fait surtout plutôt mal. Mais t'as pas intérêt à augmenter ses dégâts. Ouais, il y a trois stégos. Là, les stégos, ils sont en train de taper un truc. Les stégos, c'est intéressant de savoir qu'ils sont là parce que ça donne de la prime, ça. Enfin, ça peut donner de la super bonne bouffe. Tu veux essayer de les tuer? On les tuera juste après, dès qu'on aura fait le métal et qu'on aura trouvé ton aigle.
Ok. Et du coup, grâce à ma loupe, je vais pouvoir voir à distance quel level est l'aigle Il y et a te un dire si oiseau qui on est pas peut loin de nous. l'avoir ou pas. T'inquiète, t'inquiète. Il est pas agressif par défaut. Les aigles, il faut se rapprocher trop d'eux pour qu'ils se commencent à te taper. Ok. Oh, Elle il y est a une juste à la éolienne. demande de la fonderie. Justement, à la fonderie, elle est juste là. C'est pour activer une lampe, l'éolienne. Ok. Voilà, la fonderie, c'est ça. On pourra mettre un d'essence dedans pour la remplir. Et là, on va casser du caillou. Tu peux me dire le level de... Non, tu peux pas me dire le level de T-Rex. Non, tu veux que je leur tire dessus? 30 et 25. Si tu veux, on peut les endormir, mais je vais pas endormir. Ça Mais ils sert sont à rien, je agressifs, te eux, dis. donc. Oui, eux, ils sont agressifs. Ils sont en train de se battre contre des oiseaux. Je t'ai posé, je vais tuer les Rex. On va les Tu veux tuer? commencer à casser le métal, Lily? Bah, je vais les Lily, tuer avec intervenez toi. plus tard. Pourquoi? Tu vas lancer une grenade? T'as un bazooka? Après, on fermera le métal avec l'aigle. Je vais m'occuper des Rex. Je fais extrêmement mal avec mon Rex. Bon, il est level beaucoup plus haut que le leader, et du coup, hop, j'en ai déjà fini un. Si tu veux, tu peux aller commencer à farmer le métal avec la pierre de métal un peu jaune. Et la pierre de métal, c'est jaune, hein, donc il y a une pierre jaune un peu plus haut. Ok. Ah oui. Je vais miner le minerai d'or pendant que tu nous défends. C'est du métal, mais oui. On dirait de l'or. On dirait beaucoup de choses. Il y a un rectangle 30 Oh, ça m'a là-bas. rapporté beaucoup de métal, c'est normal. Je sais, tu mets dans l'aigle après parce que le l'aigle il le portera et toi tu pourras pas le porter. Ça Et après périme le tu montes sur métal? l'aigle et tu vas en chercher un autre. Quoi? Ah, je suis très lourd et j'ai très froid. Tu peux Alors faire t'es un très feu de lourd, faut que camp? tu sois pas trop lourd parce que très froid c'est pas si grave. Si t'as vraiment trop froid tu manges. Bah, je peux plus Et par contre bouger, mais à part ça. Ouais, le problème il est là. C'est que faut que tu récupères l'aigle avant de pas pouvoir bouger. Sinon comment tu fais pour te balader? Mais toi, tu peux Pour aller m'apporter jusqu'à l'aigle, l'aigle? non? Oui, moi je peux te rapprocher l'aigle, mais Je veux bien. en général, la technique. C'est pas ça, Lily. Allez, hop, là tu fais F sur l'aigle et tu peux poser. Ah, je suis un peu trop loin. F. C'est Hop, bon. comme ça tu peux ouvrir son inventaire. Moi je viens de gagner un niveau, donc je vais pouvoir débloquer des nouveaux trucs super. Il y a un truc au début du jeu que tu débloques, et maintenant j'ai la même chose mais qui se marie avec de l'essence. Et ça coûte plutôt cher. Oh, j'ai un sac de Oula, oui, plutôt couchage. cher, ouais. Je donne mon caillou aussi ou le caillou on le jette? Quel caillou? Des Ah, pierres. la pierre tu la jettes. Mince, je l'ai Alors moi mise j'ai dedans. cherché du cristal pendant ce temps-là, qui est un peu plus haut. Un Donc peu je te plus haut t'as rappellerai juste. pour. Non, c'est juste là, c'est juste là. Mais en fait la meilleure technique c'est J'ai un juste peu en haut peur en de fait. tomber. Au pire si tu tombes ouais tu meurs pas en fait, non, on meurt pas. Si tu meurs en fait on peut pas réapparaître proche donc ça va être un peu énervant. Même si je pose un sac de couchage. Si tu poses un sac de couchage tu peux réapparaître au Parce que moins je une me fois suis dit qu'il proche. valait mieux que j'en fasse un. T'en as fait un? Ouais. Bah tu peux le poser à côté de toi. Et vu que c'est ton sac de couchage, si tu meurs, tu le verras comme un lit normal. Utilisable une seule fois. Oui, c'est ça. C'est le seul désavantage. Bah, ça me permet de revenir une fois si je meurs. Vu qu'il fait froid, t'as quand même intérêt à manger. Oui, en fait, le truc c'est en général, tu meurs une fois après, et après tu récupères ton stuff et tu te barres le plus vite possible. Moi je récupère du cristal parce que pour le truc de chimique, j'ai besoin. Il me faut un maximum de cristal. Il me faudra aussi du polymère, moi, mais du coup, Il y j'irai a le un chercher caca dans qui arrête un pas de coin. tomber du ciel, c'est chelou. Ouais, il est Ah, peut-être c'est bon, revenu. il a arrêté de tomber. J'ai tout à chercher avec l'aigle pour que tu puisses recommencer à. Et Ouais, je après, vais on va bientôt aller être poser trop le lourd. métal dans la fonderie. Ouais, bah, on va aller poser le métal dans la fonderie. T'es où? T'es là-haut. Pas tout à fait fini la pierre. Je me suis arrêté avant d'être trop lourd. Hop, t'es parti trop loin. Quelle C'est sont une mon aigle, façon de toi? faire. Moi, je suis un peu trop lourd, mais on va aller à la fonderie. Tu vas poser ton métal dans la fonderie. On va poser l'aigle tellement proche de la fonderie qu'on pourra prendre tout le métal et le mettre directement dans la fonderie. Bon, t'es très très lourd par contre. Hein. Je vais Jette la jeter de pierre la et t'as fait pierre. quoi? Comment je la jette dans le vide? Tu fais haut de ton inventaire Oh, dans la ouais, pierre. c'est logique. T'as dit quoi? C'est logique. Ça marche pas. Haut? Si c'est la Avec touche vous. jeter haut et quand je fais clic droit jeter haut, ça marche pas. Ah, alors ça lag. Oui, ça lag. On va pas me reprocher d'avoir encore changé mes touches alors que c'est le jeu qui lag, hein. Oui, c'est vrai. J'ai pas fait exprès. Je vais pas te lâcher, sinon ça va te lâcher en plein en l'air tout à l'heure. Je suis au-dessus de la fonderie, mais toi tu me vois pas au-dessus de la fonderie. Bah moi je me vois plus loin que la fonderie maintenant.
Ah ouais, parce que oui, parce que tu me vois avancer à l'infini. C'est un peu bugué, c'est vrai. Ça aura un petit peu le rollback et ça sera bon. L'avantage, c'est vu que c'est le serveur qui lag et pas toi, les dinosaures ne peuvent pas taper pendant que tu bugs. Ah, parce que sinon ils peuvent. Bah, si toi tu bugs et que t'es totalement bugué et que tu bouges plus, le serveur, les animaux, ils bougent quand même. C'est vrai. Par contre, là, tu m'emmènes sous terre, donc c'est un peu chelou. T'inquiète, t'inquiète. Et juste rien, sors pas de l'aigle, de toute façon tu peux pas sortir de l'aigle, mais... Dès que ça va te faire rollback. Ouh, on a été TP en arrière. Ok, donc ça va commencer à délaguer. C'est bon, j'ai pu jeter ma pierre. Et hop, on s'est TP au-dessus. Ok, moi je peux bouger, ok. Ouh, j'ai eu peur de te poser. Hop, voilà. Donc là, je pose l'aigle assez proche. Ah, j'ai pris volontairement un tiers de lui. Donc là, la technique, je suis assez proche de l'aigle. Et en même temps, assez proche de la fonderie. Du coup, j'ouvre l'aigle. Ouais, je peux faire. Je prends le cap dans l'aigle. Je suis beaucoup trop lourd. Mais je pose. Là, tu poses. Oups, la. Excuse-moi, comment on descend? De quoi? De mon aigle. Tu fais espace. Ça va te poser, là, tu fais E. D'accord. J'ai fait E parce que pour moi, E, c'est pour accéder aux ordres. Tu poses tout ton métal dans la fonderie. Et on va la démarrer comme ça pendant qu'on va commencer à pendant qu'on va continuer à faire les donc, trucs. E, accéder à l'inventaire. Mm-hmm. Métal. Oh là, du coup, j'ai pensé à prendre de l'essence à l'avance. Je mets de l'essence. Bon, c'est très peu ce qu'on a comme métal, hein, mais hop, j'allume. Oh, ça va commencer à fondre. Maintenant, on va en chercher plus, Lily. Ok. Je te laisse prendre l'aigle pour en chercher plus. Ok. T'as accès aux portes ici, hein, les gens, étaient cool. Oups, j'ai fait. Faut ramener à peu près 1000 métal. Et toi, tu veux que je te ramasse ou. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah, fais gaffe, t'as des scorpions. Bah, c'est moi qui ai l'aigle, c'est pas toi, non? Oui, c'est moi qui suis le compte, par contre, j'ai bien marqué. Il y a un caillou brillant là où je suis. Les cailloux jaunes en général ils sont vers le haut de la montagne. Bah, là, il y en a un. Oui, il y en a un peu partout. Hein. T'es sur une montagne donc il y en a un peu partout. Et du coup, à chaque fois que ton aigle est plein, en gros. Oh, il a explosé en morceaux. Viens déposer. Et fais surtout gaffe, Lily, quand tu rouvriras la fonderie, le gros machin qu'on a allumé. Ouais. Faut que tu fasses F et pas E. Parce que sinon tu vas éteindre la fonderie. D'accord. Tu seras consommé un pétrole pour absolument rien. Et le but c'est pas de gâcher du pétrole. Donc tu te poses très proche de la fonderie avec l'aigle. Ouais. Il risque pas de brûler, on est d'accord. Et à la fonderie en même temps, et du coup comme ça tu peux ouvrir les deux en même temps. Tu peux ouvrir l'un puis l'autre. En fait j'ai tout pris sur moi, j'ai pas. Ah oui, pas E éteindre, F. Mais tu fais E très longtemps, mais c'est quand même plus simple de faire F. Parce que F c'est valable pour absolument tout. Tu poses ton métal et après il en reste à peu près le double. On peut faire le double largement. Pendant ce temps là, je vais te faire ton aigle, ok? Donc je te laisse t'occuper de ça. Ah, mais j'ai pas de flèche narco. Je vais mettre des flèches, c'est pas grave. Pendant ce temps là, moi je vais de l'autre côté de la montagne, ok? Ok. Si t'es trop dans la merde, tu vas en l'air, l'aigle. Il tient assez longtemps en stationnaire. Ok. De l'autre côté, on a une cage à aigle, donc je vais m'occuper de faire un tamage d'aigle pour toi. Je tape avec le manche de ma pioche et ça casse, comme normal. Normal, ça? Le manche de ta pioche? Ouais. C'est peut-être juste une animation qui est un peu buggée. On est sur Arc après tout. Bon, j'avoue, c'était un clashage gratuit. Oui, je sais, j'ai l'habitude avec toi. Je vais descendre un peu plus bas. Moi, je vais de l'autre côté de la montagne. Hein. Je vais juste de l'autre côté. Donc, si tu me cherches et que t'as un problème, tu vas de l'autre côté de la montagne. De toute façon, il y a mon Rex qui te défend. Hein. Sur la montagne, t'appelles mon Rex, il va te défendre très très bien. Je crois que j'ai besoin d'un babysitter. Ouais, ouais. T'as raison. Ouais, ouais, si t'as un Rex qui te fonce dessus, je pense que t'as besoin d'un babysitter. Surtout qu'un Rex, c'est quand même assez puissant. Ça dépend beaucoup de son niveau, mais. Bah là mon Rex il a deux fois plus de vie que le tien, c'est quand même pas mal. Et le métal il n'a pas bas de la montagne, hein. Il y en a surtout la collerette du haut. Hein. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va appeler ça comme ça. Ok. S'il y a des petites hyènes, un petit groupe de hyènes qui te fonce dessus, à court. Parce que les hyènes si elles te tapent dessus ça veut dire qu'elles pensent qu'elles te battre. Ah. Oh putain, le chilacolio. Ouais, il y a un chilacolio qui me suit mais trop. Mais comment elles connaissent le niveau des joueurs les hyènes? Non, 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 elles connaissent pas ton niveau, elles connaissent ta force par rapport à ce que t'as comme armure et tes armes, des machins comme ça. Ah. Si t'es sur un argentavis, elle aurait pas mieux te taper. Ouh, zut, je suis partout.
suis un peu trop bien le chez Napoléon. À chaque fois, ça dit ta faim, tu manges 3 viandes et ça suffit. Hein. Ok. Et puis après, ça te redemandera, ça te redira quand t'auras faim. Ok, il passe pas entre les deux pierres, parfait. Ah, ça lag. Ah non, ça lag plus. Des fois, il y a des petits coups de lag, je sais pas trop pourquoi. Oh mince, j'ai monté ma qualité graphique en élevé et du coup, maintenant, quand je tourne la tête, c'est tout flou. Ouais, c'est normal ça. Si tu l'as mis en très haute ta qualité graphique, c'est tout à fait normal. Mais je suis une très bonne carte graphique. Et j'ai mis élevé, j'ai pas mis ultra. Ah. Je pense que c'est parce que je file en même temps. Ah, ah non, c'est toi aussi. OBS? Et si t'as des flèches sur la cible que t'as tuée, normalement tu peux récupérer les flèches. En minimum. Là t'as intérêt à faire gamme à 6 si tu l'as pas enlevé tout à l'heure. Ouais, attends. Ok. Ah, pss, alors moi je vais chercher un aigle, mais bon bah alors il y a un aigle. Tant que je filme, il Est-ce va que falloir ça que je te repasse en va plus un bas. aigle de Ou alors niveau, sinon je j'ai ne du vois flou de pas. mouvement. Niveau 10, Option. parfait. Je te fais un aigle niveau 10, dis. Graphisme. Parce que j'ai pas le droit à de la haute qualité, moi. C'est bien de la haute qualité, c'est de la haute qualité à niveau 10. D'accord. Castor Oh, il j'ai peut être froid et 15, un faim. truc comme ça. J'ai plus de viande. T'as plus du tout de viande? Ouais. J'ai eu de quoi manger, heureusement, mais. Tu peux manger de la viande crue, mais pas trop parce que ça c'est perdre de la vie. Ah. Moi qui mangeais pour gagner de la vie. Mince, je suis trop lourd. Comment on La siffle viande crue l'argent à ici ça te vis? fait gagner de la vie, mais ça te fait perdre, ça te fait gagner. Si t'as Erreur, vraiment plus comment on que fait ça, pour siffler l'argent à vis? fais tes. Il va pas se coller à toi. Hein. Ah bah si, c'est ce qu'il a fait. Mais il se rapproche de toi, mais il va pas. S'il est assez proche de toi et que tu essaies de le siffler pour qu'il soit plus proche, ça marche pas. Parce qu'il faut qu'il D'accord. soit à un minimum de distance pour avoir envie de te taper. Envie de me taper? Quoi que tu voudrais qu'il me tape? Te revenir vers toi. On va poser le métal pour pouvoir bouger. Je suis pas sûr que t'as un argentavis level 10 parce que je crois qu'il va mourir le level 10. Là, il est temps de remonter le gamma. Ouais, là tu vois à peu près rien normalement. Putain, mais c'est pas possible. Je m'enchaîne les ennemis qui me sautent dessus. Du coup, je suis en gris, c'est bizarre. Ouais, ça fait un truc un peu bizarre le gamma, mais c'est quand même mieux que rien. Ça me saoule un peu. Je vais faire les aigles de ton côté, hein, parce que ça me saoule un peu de mon côté, il y a trop d'animaux. Et du coup, j'arrive pas à les tuer. J'en tue un, il y en a un autre, j'en tue un. Donc, je vais venir de ton côté. Surtout qu'il y a mon T-Rex, il y a Rexa de mon côté. Moi, j'ai deux T-Rex, mais là, j'en ai qu'un seul sur moi. C'est toujours conseillé d'avoir un T-Rex sur toi, au cas où. Ok, j'en ai un. Si y'a quelqu'un qui te tape dessus, tu balances ton T-Rex et ton T-Rex il défend déjà beaucoup mieux que toi. Parce qu'il a beaucoup plus de victoires, qu'il fait plus mal et qu'il est carrément plus balèze en fait. Arc c'est vraiment basé sur le fait que c'est très intéressant d'avoir les animaux. Là j'ai oublié l'ankylo, j'aurais dû prendre l'ankylo, ça permet d'avoir plus de pierres, de métal, mais je l'ai oublié donc. Bah je l'ai oublié, point. Je crois que je me suis coincé, Lily. Je sais pas comment j'ai Ah, fait ça, on peut faire mais. cuire de la viande crue dans la fonderie? Non, je pense pas. Vraiment? Logiquement, non. Logiquement, non. Bon, j'ai fait la bêtise. T'es mort? Non, j'ai appuyé sur E. C'est pas grave, t'as mangé de la viande pourrie. Hein. La viande pas pourrie, ça te tue. Pas cuite, ça te fait régénérer quand même. Parce que ça te fait. En fait, ça te fait perdre de la vie. Et après, vu que tu regagnes quand même un peu de soin, de faim, tu vas regagner de Ouais. la vie après. Mais j'ai éteint la fonderie alors que j'avais à nouveau 200 de métal à mettre. Je peux pas mettre du bois. Viens avec la. Non, c'est une fonderie industrielle. L'argentavis, il a du pétrole, il a de l'essence sur lui. Ah d'accord. C'est toi.
Donc prends un d'essence, tu fais double clic pour prendre un seul d'essence. D'accord, mais je vois pas. C'est l'espèce de bidon d'essence, hein. On dirait un peu un Ben, bateau je les avec un vois truc en dessous. pas, C'est tout en haut, tout en haut. hein. Ah oui. Double clic, ça t'en prend un Hop. seul, après tu reviens sur la fonderie. Je fais F. Soit tu déplaces tout, ça t'en déplace un seul. Et après t'appuies sur allumer. Et pouf, ça démarre. Et là, tu peux déjà commencer à faire hop, tu te mets à côté de l'argentavis, tu fais F, tu prends les 2000 et quelques de métal, tu ouvres Les 2000 et l'argentavis quelques. de 200 et quelques, et hop, tu mets dans l'argentavis. Voilà. Ok. Moi, pendant ce temps-là, il faut que j'aille farmer un argentavis pour toi. Parce qu'en C'est fait, beaucoup le métal qu'on a farmé? Non? sincèrement, Oui. 200 et quelques. Bah, en fait, avec 500, tu peux faire un énorme coffre, donc c'est beaucoup en soi. Là, par exemple, je vais te donner un a priori. Le truc de laboratoire que je veux faire là, enfin l'espèce de laboratoire que je veux absolument faire, il va me coûter 250 de métal, 250 Ouais. de ciment, 250 de cristal, et 250 de polymère, 250 d'électronique et 100 de poudre d'étincelle. Et ce qui est cher là-dedans, c'est pas vraiment le métal, c'est plutôt le polymère, parce que ça coûte de l'obsidienne. Et l'électronique aussi, coûte cher. Mais on en a Ok. beaucoup donc. Mais en termes de métal, c'est utile ce qu'on a récupéré. La cruque. Le métal, oui, bien sûr que c'est utile, faut la récupérer. Je vais te faire un level 35 d'argentavis finalement, Lily. Oh. Finalement, L'avantage j'aurai droit à d'argentavis de la par rapport qualité. au pteranodon par exemple, c'est que l'argentavis va te suivre vu qu'il est agressif, hein, il est méchant. Il est pas passif. Si tu le tapes, il va te renvoyer des coups. Ça apporte plein de métal, les cailloux. Ouais, c'est l'avantage des bagues d'ici, hein. Les cailloux pas d'ici, ils rapportent à peu près rien. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Et c'est là que les élèves sont très intéressants, c'est qu'ils portent beaucoup de métal et c'est très très intéressant pour ça. Ok, l'aigle commence à me fuir. C'est bon, j'ai redémis ton aigle, Lily. Level 35, c'est à peu près aussi bon que celui que j'avais de base. À peu près, hein. C'est Oh, pas il est super. débile le jeu. Je me mets sur un Quoi? terrain pentu et il me fait pop de l'argentavis du mauvais côté, donc je prends des dégâts de chute. Toujours pas droite. D'accord, bah il est pas mal. Quand il te fait sortir d'un animal, à part le Rex et les gros animaux, il te fait toujours pop à droite. Le Rex, il te fait pas pop à droite, il te pop sur l'animal. Parce que tu peux choisir de quel côté tu tombes, vu comment il est gros et que tu peux prendre beaucoup de chutes. Ok. Facilement. Moi, je vais aller tuer des trucs avec le Rex pour récupérer de la prime et faire tourner plus facilement. Je vois plus rien, si pourtant j'ai mes gamma, ouais. Ouh là là. Tu sais s'il y a encore les stégosaures en haut ou pas? Je sais pas ce que c'est un stégosaure. Ça a plein de pics sur le dos. J'ai faim, je crois, ou j'ai froid? Ah, j'ai les deux. Je sais pas du tout. Ils étaient 3 donc je pense qu'il en reste. Oh, il y en a un argentavis level 80. J'ai pas le courage de le faire, mais c'est haut level. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des morceaux de rocher. Ils me font peur, les morceaux de rocher. L'argentavis, il est très lourd. Ah bah va poser le métal déjà et ouais c'est parce qu'il y a du cristal et tout sur lui. Donc après tu déjà va poser le cristal. Et je pense qu'il est principalement lourd parce que t'es sur lui. Ah. Mais non, parce que Et moi, je que suis très léger. tu pèses au moins 100. Je pense pas. Façon on va Non, aussi je prendre ton pèse argentavis donc faut faire 68. plus de métal. Va chercher le métal. Ok, bah, je vais le laisser dans la fonderie. On peut transférer tout le métal d'un seul coup ou faut le transporter morceau par Oui, morceau? tu peux transporter tout le métal, c'est cool. C'est quand même plus simple de transférer un par un. Mais sinon, tu recherches métal en haut à gauche dans la Ah tour de d'accord. recherche. Ça Et lag? après, tu fais tout Encore une transférer. fois? Ouais, ça lag.
Bon, on va continuer un peu avec Erreur et on se retrouve pour un futur épisode quand j'aurai mon petit oiseau et qu'on aura pas mal de métal grâce à moi. Un peu grâce à Erreur aussi. Un tout petit peu. Tu peux répéter ça?